Nous vous disons shalom, bienvenue à ce programme merveilleux. Je dis merveilleux parce que c'est toujours agréable d'être dans la présence de l'Éternel. C'est toujours agréable de venir contempler sa grandeur, combien il est grand. C'est pour ça qu'on dit ta grandeur, le T est en majuscule, donc on dit ta grandeur Seigneur. Vous comprenez? Merci d'avoir choisi ce programme. Shalom, shalom maman Dorcas. Shalom tonton, shalom à vous qui êtes fidèles à ce programme. Et comme venait de le dire tonton, hein, la Bible nous dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Alors nous, ça nous fait énormément plaisir de savoir que vous êtes là, scotchés à ce programme parce que vous allez manger cette bonne nourriture qui est donc la parole de Dieu. Et nous allons également, via cette émission, aider et donner l'occasion également à ceux-là qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Eh bien, c'est ici que ça se passe. L'homme de Dieu est là, notre invité est là. Tout à l'heure, vous allez le découvrir. Voilà. Alors, voici déjà une des façons pour nous de faire le marketing de Jésus-Christ, le roi, le Seigneur de toute gloire, c'est via justement les témoignages. Parce que par les témoignages, il y a quelqu'un qui peut se retrouver dans la même situation, mais en suivant un témoignage, en écoutant ce que le Seigneur a fait pour quelqu'un, cette personne peut me dire, moi aussi, je peux suivre ce Jésus. Par le témoignage, on peut également se convertir. D'ailleurs, il y a une sœur qui nous a appelé pour nous dire qu'elle, elle était donc la fille gâtée, la fille à papa. Et tout le week-end, elle passait ses nuits dans des boîtes avec les amis, en train de boire, de fumer, de danser. Mais un jour, elle est rentrée, elle était vraiment, vraiment ivre. Et puis, elle s'est endormie sur les canapés. Et c'était la nuit du vendredi au samedi. Alors, samedi matin, c'est ta grandeur. Il regarde comme ça, il trouve des jeunes gens en train de parler de Jésus. Il dit, elle dit, ça c'est quoi ça encore? Des jeunes Mais comme ça. Dans les jours à venir, vous allez la voir, elle va également témoigner. Parce qu'elle a suivi les témoignages d'une autre personne. Et ça l'a aidé, ça a aidé cette sœur-là à prendre une décision. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais pour ce nouveau numéro, c'est la sœur Linda. C'est le témoignage de la sœur Linda. Regardez. Voilà, je m'appelle Linda Kabumbo. Je suis troisième d'une famille de 7 enfants. Je suis musicienne chrétienne, je suis écrivaine et en même temps présidente d'une ONG. Et je suis membre de l'église Parole de Vie, Lingwala, qui est une extension de la borne des Assemblées de Dieu. J'ai la grâce déjà, c'est une grâce, je dis toujours, d'avoir reçu Jésus-Christ très tôt, à l'âge de 9 ans déjà. Dieu m'avait fait cette opportunité de le connaître en tant que Seigneur et Sauveur. Que j'ai fait cette rencontre de Dieu. Déjà, je disais, toute petite, toute jeune, déjà, j'avais des problèmes de santé. J'étais asthmatique, non prononcée. Donc, ça m'a créé des problèmes de respiration. Des fois, je m'évanouissais. Des fois, je ne savais pas respirer. Des fois, j'avais des contractions au niveau du cœur. Et c'était entre 7 ans, 9 ans, que j'avais ces problèmes de santé. Donc, hormis les problèmes de santé que je disais, que j'avais, dont je souffrais. Il y a eu aussi un problème, j'y parle de ça dans mon livre, un problème de manque d'affection. Ce n'est pas que j'étais un enfant rejeté, non, j'étais un enfant vraiment choyé par mes parents. Déjà, ils ont attendu plusieurs années pour m'avoir, ils n'avaient que des garçons, pendant que leur souhait c'était avoir une fille. Donc c'était vraiment le souhait de ma maman. Donc, elle a attendu, je crois, 7 ans pour avoir une fille. Après la naissance de ma petite sœur, celle qui vient juste après moi, il y a un petit problème qui s'est produit à la maison. Ça arrive à beaucoup de familles. C'est normal, oui, c'est normal, mais ça dépend de chaque enfant qui a... Chaque enfant n'a pas la même façon de concevoir des choses, n'ont pas les mêmes émotions. Moi, j'étais plutôt très affective. Et très sensible au fait. Donc, à l'âge de 7 ans, j'avais perdu l'affection. Ma sœur, que j'attendais aussi, que je rêvais avoir. Mais c'est une erreur peut-être que mes parents ont eu à faire. Dieu merci, ils ont eu à le reconnaître quelques années après.
À l'âge de 7 ans, j'avais arrêté d'être un enfant, comme je le dis toujours. À l'âge de 7 ans, je suis devenue une petite maman. Donc, c'est moi qui devrais m'occuper de ma petite sœur, la petite qui venait de naître. Mais mes parents avaient oublié que j'étais aussi un enfant, que j'avais aussi des besoins, que j'avais plus de vêtements, j'avais plus de chaussures. Il y avait beaucoup de choses que je n'avais plus. Donc, c'est vite, c'était créé en moi. Et c'est en ce moment-là que je sentis le besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui peut être là avec moi, quelqu'un qui peut, avec qui je pourrais parler, avec qui passer du temps. J'avais plus personne, au fait. J'avais plus personne. Et pour juste mettre une parenthèse, je voulais juste expliquer cette situation. C'est une situation qui arrive à beaucoup de gens. Lorsque tu es choisi par Dieu, Dieu a plusieurs façons pour te rappeler à lui. Si tout est rose dans ta vie, tu ne comprendras pas la grandeur de Dieu. Tu ne vas pas sentir le besoin de Dieu dans ta vie. Donc, si tout était resté rose dans ma vie, si j'étais restée cette petite fille gâtée, je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y avait un Dieu au-dessus. Je ne pouvais pas faire la rencontre de Dieu. Donc, Dieu avait permis que je passe par ce moment. C'était dur, oui, mais c'était le chemin par lequel Dieu avait tracé. C'était très tôt, oui, mais c'était à cet âge-là que Dieu avait choisi me rappeler vers lui. C'était à cet âge-là que Dieu avait choisi faire de moi une chrétienne. À l'âge de 9 ans, j'étais devant la télé, je suivais l'émission chrétienne Club 700 et je bénis toute cette équipe. Ils font un travail vraiment merveilleux parce que moi, c'est au travers de cette émission que j'ai su que Dieu me connaissait et que j'avais commencé une relation avec lui. Mais ce jour-là, devant la télé, on m'a fait comprendre que Jésus était mon sauveur, était mon berger, il était la personne idéale qui était là pour défendre ma cause, pour prendre soin de moi. Donc devant la télé, j'ai commencé à voir les mêmes contractions, les douleurs, et je commençais à me renfermer sur moi tellement que j'avais mal. Et je peux écouter cette voix encore à la télé, Massie Domingo, qui parlait, et elle est en train de dire qu'il y a une dame dont sa fille a été guérie d'une maladie assez grave, sans intervention chirurgicale, Dieu l'avait guérie. Et on avait lancé le témoignage, et la dame qui parlait à la télé, elle expliquait comment sa fille a été guérie, elle a eu à sillonner dans plusieurs hôpitaux. Ils n'ont pas trouvé des solutions. Tous les docteurs disaient que la maladie de la petite était incurable et tout, qu'il lui restait quelques jours à vivre. Mais elle a dit que ces jours-là, elle a emmené sa fille à l'église et sa fille était complètement guérie. Et quand j'écoutais ces témoignages, j'étais stupéfaite. J'ai dit, Jésus, capable de guérir une personne. C'était waouh. J'ai dit, moi, je veux recevoir la guérison. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'être malade. J'en ai marre chaque année d'avoir des accidents. Je veux être guérie. Et Massie, elle demandait à tous ceux qui étaient malades de toucher la télévision, l'écran de la télé. Donc, j'ai pris mes mains, j'ai mis devant la télé et ils ont fait la prière. Et après la prière, ils ont demandé de faire la prière d'acceptation. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur après avoir répété ces paroles. Quelque temps après, finit la douleur. Les contractions que j'avais étaient complètement finies, avaient complètement disparu. Et j'étais stupéfaite, j'ai dit, Seigneur, Jésus est un guérisseur. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé ma relation avec Jésus et tout avait changé dans ma vie. Je n'étais plus seule. J'avais quelqu'un à qui parler, j'avais des moments de prière, j'étais à la recherche, j'avais la soif de connaître qui est Jésus. Parce que moi, j'ai connu Jésus pour la première fois comme Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Donc c'est là que tout avait commencé dans ma vie. J'ai commencé je m'étais lancée à la recherche de Jésus. J'ai commencé à lire la Bible, à fréquenter même les groupes des prières à l'époque. Parce que je voulais connaître un peu plus ces Jésus, qui il était réellement. Voilà,
La sœur Linda qui a rencontré justement ce Dieu de miracles, ce Dieu qui est Jéhovah Rapha, qui guérit, mais aussi ce Dieu qui sait te donner l'affection, le réconfort dont tu as besoin. Parce qu'elle aussi, à cette époque, elle avait ce problème de manque d'affection, parce que c'est normal. Elle avait un vide. C'est vrai, il y a sa sœur qui vient au monde, et puis elle remarque que c'est tout l'amour qui va vers sa sœur. Bon, c'est vrai, c'est quelque part, comme le pasteur, vous êtes juriste aussi en même temps, on ne peut pas parler aussi de conflit de génération un tout petit peu, déjà au bas âge. Bon, ce n'est pas vraiment un conflit, c'est une vérité fondamentale, tonton Jaco. Cette erreur, nous l'avons vue aussi même dans Genèse 37, dans la maison de Jacob, lorsqu'il a manifesté plus d'amour pour Joseph que ses frères aînés, et ça a créé tout le problème qui pouvait arriver dans la maison. Donc les parents doivent faire un peu attention de ne pas montrer de l'amour ou de l'affection pour un enfant que l'autre, parce que ça crée généralement des jalousies. Et quand les frères deviennent jaloux, ça finit par tuer comme Caïn a tué son frère. Donc c'est très important que les parents doivent vraiment faire attention. Vraiment, là, très important. Il y aura la haine, il y aura beaucoup de choses. Par la même occasion, nous vous saluons. Shalom, pasteur. Shalom. C'est le pasteur Jean Toto qui est donc notre invité dans ce numéro d'État Grandeur. Il y a une raison. Pour votre existence, il y a une raison pour ton existence. Des fois, on se pose la question, pourquoi je vis, pourquoi j'existe, avec tous les problèmes que je rencontre, avec toutes les maladies, avec toutes les difficultés. Pourquoi finalement, on se pose la question à Dieu, pourquoi j'existe, pourquoi? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi suis-je venu dans cette famille-là? Pourquoi? Ou déjà pour prendre même les petits déjeuners, c'est tout un problème. Pourquoi? Ou on parle même des délestages sur le plan nourriture et tout. Alors, heureusement, on est bénis. nous allons manger. Et ne vous en faites pas. Nous aussi, on a des questions, on a aussi des préoccupations comme vous. Alors, soyons calmes parce que nous aurons des réponses par rapport à toutes ces questions. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi, tonton. Merci. Mais brièvement, on peut aussi connaître le témoignage du pasteur Jean Toto. Il vient d'où? Comment est-ce qu'il a rencontré Jésus? Merci beaucoup. Merci à vous. Brièvement. J'ai rencontré Jésus en 1989, donc avant la fin des années 90, suite à un témoignage d'un sorcier qui avait dit un jour il voulait tuer une femme. Mais il était incapable de les tuer. Donc il tuait les gens, il buvait leur sang. Mais le jour où il devait tuer cette femme-là, il était incapable. Et à la fin de son témoignage, il dit, s'il était incapable, parce que cette femme-là qui s'appelait Germaine, elle avait Jésus dans son corps, dans son cœur. Et c'est ce qui l'empêchait. Lui, il sortait avec cette fille-là. À chaque fois qu'il cherchait à tuer cette fille-là, il n'arrivait pas parce que Jésus était... Et il dit, il fait l'appel au salut, il dit... Pour toutes les personnes qui ne veulent pas que les sorciers puissent les tuer, venez donner votre vie à Jésus. Donc je me suis dit, bon, à l'époque, connaissez donc, lorsqu'on parlait d'un sorcier, tout le monde avait peur. Bon, moi je me suis dit, jeune que j'étais, j'ai dit, bon, je vais quand même m'approcher pour donner ma vie à Jésus. Pas parce que je connaissais Jésus, mais parce que je ne voulais pas que les sorciers puissent les sorciers. Me tuer. Donc c'est ça un peu les dangers de ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Beaucoup de gens viennent dans nos églises, ils acceptent Jésus sans pour autant connaître vraiment Jésus dans la profondeur. C'est pour cela même nous qui venons... Sans même savoir pourquoi ils veulent donner leur vie à Jésus. Alors nous avons pris la décision, comme nous avons commencé notre église il y a un mois et demi. Bon, j'ai vécu longtemps à Bruxelles et depuis 4 ans je venais à Kinshasa, j'ai organisé des conférences et Dieu nous a demandé de bâtir une église qu'on a appelée le centre de la vie de Dieu. Nous avons commencé l'enseignement sur le salut. Nous avons enseigné le 15 vocabulaire qui parle du salut. Parce que nous avons compris qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens même qui payent leur dîme, mais qui ne sont pas sauvés. Parce que les gens, les prédicateurs n'ont jamais parlé à ces personnes-là de Jésus. Qui est Jésus? Quelle est son œuvre et qu'est-ce qu'il a accompli pour eux? Donc c'est pour cela que nous avons commencé par là. Nous avons enseigné les 15 vocabulaires qui étaient vraiment très riches et nous avons enseigné la croissance spirituelle, comment quitter à l'étape d'un enfant et devenir fils. Parce qu'il y a une différence dans la Bible entre un enfant et un fils. Donc voilà un peu ce que nous avons. Et vous avez évolué sans problème avec Jésus, quand vous l'avez connu? Tout à fait, j'ai évolué avec Jésus. Non, mais il y avait des problèmes. Donc quand j'ai donné ma vie à Jésus,
puisqu'il n'y avait pas la formation, à l'époque, il y avait des groupes de prières. Nous partons dans des groupes de prières, Action évangélique de Mayenge à Barumbu. Mmh. Et j'ai fréquenté en 1990 la cellule de la borne Maranatha. Mais il n'y avait pas assez de formation à l'époque. Mmh. Donc, j'ai fait un retour dans le monde. Donc, j'ai rétrogradé parce qu'il n'y avait pas assez de formation. Mmh. Et c'est là où même je mets l'accent. Même le nom de notre église, c'est le centre parce que c'est un endroit où nous formons les gens. Mmh. La difficulté que nous avons aujourd'hui, si nous n'avons pas des chrétiens qualifiés parce qu'ils ne sont pas formés. La formation te qualifie toujours. Pour devenir avocat, il faut que tu sois formé en droit. Mmh. Pour devenir un économiste, il faut que tu sois formé en économie. Chaque formation te qualifie dans un domaine précis. Mais on peut bien vouloir te former, mais il y a aussi ton appréhension qui entre en jeu. Hein. La volonté aussi, la volonté, je dois accepter aussi d'être formé. Tout à fait. Vous ne pouvez pas être formé. Si, donc, il y a d'abord deux vérités ici. Vous ne pouvez pas être formé auprès d'une personne que vous n'aimez pas. C'est très difficile. Oui. Même nous qui avons étudié, un professeur c'est le professeur qu'on aimait, qu'on suivait son cours. Oui. Si vous n'aimez pas les professeurs, c'est difficile. Et la deuxième des choses, c'est la volonté. Si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, on ne peut pas apprendre quelqu'un qui n'a pas la volonté. Mmh. Donc c'est un peu ça, cette difficulté. Alors je n'étais pas formé, je ne savais pas le fondamentaux du christianisme. Mmh. Et c'est là où tous les problèmes sont partis et je connais tout le problème. Je suis parti dans le monde, je suis revenu et là j'ai eu une très bonne formation. Depuis là jusqu'à maintenant, je sers le Seigneur sans problème. Ah oui, voilà. Bien sûr. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, serviteur de Dieu, et il a pris également une décision de former également. Donc si vous voulez, on dit toujours, quand on parle de la croissance spirituelle, on ne peut pas croître, on ne peut pas grandir si on n'apprend pas, si on ne médite pas, si on ne lit pas la parole de Dieu et si on n'écoute pas également les prédications. Mais il faudrait également avoir un bon coach ou encore un bon professeur. Parce que je peux aimer mon professeur, je peux être fan, et puis mais il est là, il enseigne, bon. Et puis ça entre par là, ça sort de l'autre côté. Bien sûr. Alors, il y a une raison pour votre existence. Donc, chacun de nous ici sur ce plateau a une raison. Oui. Son existence a une raison. Tout à fait. À vous la parole. Merci beaucoup à vous. J'aimerais d'abord dire une chose par rapport à la connaissance. Parce que vous avez dit quelque chose de très, très, très capital. Vous imaginez lorsque vous achetez n'importe quel appareil, on vous met toujours à l'intérieur une forme de notice que vous devez lire. Et la première des choses que le fabricant vous dira, lire attentivement. Mm-hmm. Alors le problème, c'est qu'on ne vous demande pas seulement de lire, mais on dit, soyez focalisés. Mm. Mettez votre attention. Attentivement. Faites une bonne lecture pour bien comprendre. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4 et 6. Et puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Dieu a dit. Et je vous rejetterai dans le sacerdoce. Il est très important de comprendre la place de la connaissance aujourd'hui dans notre monde. Les gens qui réussissent aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui sont spéciaux, mais ce sont des gens qui connaissent, qui ont des informations que les autres ignorent. Mmh. Donc il est très important de comprendre d'abord son existence. Un grand homme, Abraham Maslow, a dit « L'homme est mu par ses besoins fondamentaux. » Donc, la première pensée de l'homme, il cherche d'abord la protection, la nourriture, les vêtements. Mais Dieu ne nous montre pas d'abord les choses comme ça. Dieu commence d'abord à te faire découvrir qui tu es. Mmh. Tu dois connaître d'abord la raison de ton existence. C'est pourquoi tu as été créé. Mmh. Pourquoi tu as été placé dans cette planète. Il faut que tu le comprennes. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, ça ne sera pas possible. Mmh. Alors, tel que nous sommes ici, tonton Jaco et les téléspectateurs qui nous suivent, ils ont besoin des réponses. Vous avez besoin d'une réponse. Mama Dorcas a besoin d'une réponse. Moi aussi. Nous avons besoin. Or, toutes les réponses de la vie se cachent dans toutes les questions que nous nous posons. Okay. Si vous vous posez de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Mmh. Si vous posez de mauvaises questions, vous aurez aussi de mauvaises réponses. Mmh. Alors, la première question et la question fondamentale de la vie, c'est pourquoi j'existe. Mmh. Pourquoi je suis sur la Terre. Pourquoi Dieu m'a placé sur cette planète, particulièrement au Congo. Mmh. Pourquoi même je vis à Binza, je ne vis pas à Barumbu. Mmh. Toutes ces choses-là ont de grandes significations dans votre vie. Si vous ne le comprenez pas, vous vivrez sur la Terre une vie de peine, une vie de difficulté. Mmh. Un grand auteur a dit... La plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort. Parce qu'après la mort, il y a une autre vie. Mmh. La plus grande tragédie de la vie, c'est une vie sans objectif.
une vie sans raison. Mm-hmm. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons 7,5 milliards de personnes qui sont sur la Terre. Il n'y a que 3% des personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui ont des objectifs. 97%, 97% des personnes vivent par hasard, ne savent même pas pourquoi ils existent. Mmh. Donc, ils se réveillent le matin, ils jouent aux dames, ils mangent des fous, il va tourner, il rentre à la maison et il dort. Quelle tragédie! Donc, toute ma vie, je dois me réveiller. Il ne connaît même pas le sens de son existence. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas ça, il y a un problème. Donc, il faut d'abord que les gens comprennent pourquoi Dieu les a créés, pourquoi Dieu les a placés sur la terre. Mmh. Lorsque vous vous posez de telles questions, vous aurez de bonnes réponses et votre vie ne sera plus jamais. Mais déjà, si, bon, je donne un exemple comme ça. Vous avez dit qu'il faut poser de bonnes questions, c'est là qu'on aura de bonnes réponses. Mais les bonnes questions, je les pose à qui? Déjà, si moi-même j'ai des difficultés, je ne sais même pas pourquoi j'existe. Et puis je vais me poser la question, bon, moi là, pourquoi je suis né dans cette famille? Moi là, pourquoi je travaille à Biwan? Moi là, pourquoi je suis né au Congo? Si à moi, je n'ai pas de réponse, à qui dois-je poser toutes ces questions? Mais ça, c'est une bonne question parce que je mérite d'abord... Qui mérite une bonne réponse. Ah oui, non, qui mérite une bonne réponse. Vous devez comprendre d'abord que vous n'existez pas par vous-même. Vous avez une source, vous avez été tiré quelque part. Mmh. Vous êtes sorti de quelque part. Quelqu'un vous a placé dans ce monde. C'est à cette personne-là que vous devez retourner vers cette personne-là pour lui poser des questions. Mmh. Je vous donne un exemple. Oui. J'ai un téléphone. Si vous avez un téléphone, vous allez voir dans cette notice qu'on vous donne, on vous dit, si votre téléphone a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les fabricants. Mmh. On ne vous demande pas de donner le réparateur du coin parce qu'il n'aura pas la réponse. Mmh. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec ce téléphone. Il va tâtonner et il va encore bien détruire votre téléphone. Mmh. Il y a deux choses. Soit vous cherchez un réparateur qui est agréé par le fabricant ou vous retournez l'appareil. Parce qu'il a eu la formation. Voilà, chez les fabricants. Donc, la réponse de votre vie, la réponse de votre existence, l'essence même de votre existence se trouve en Dieu. C'est pour cela, je suis déçu quand je vois les riches, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui sont célèbres, pensent que nous cherchons Dieu parce que nous avons échoué. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a échoué. Mais le problème, c'est que Dieu est ma source. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas être déconnecté avec Dieu. Je ne prie pas parce que je souffre. Je prie parce que je retourne dans ma source. Chez lui, chez la personne qui m'a créé. C'est lui qui connaît mon sens, ma vie, pourquoi j'existe. C'est pour cela que vous voyez des gens qui ont l'argent, mais ils sont devenus homosexuels. Il a l'argent, mais il fait des choses contre nature parce qu'il ne retourne pas dans sa source. Mais il y a des signes révélateurs qui peuvent prouver démontrer votre mission. Premièrement, les choses que vous aimez beaucoup, les choses que vous aimez faire. Si vous aimez peut-être coudre, vous aimez vous occuper des enfants, ça peut être un signe révélateur de votre mission, de la raison de votre existence. Deuxième des choses, les choses que vous détestez beaucoup. Vous détestez l'injustice. Peut-être Dieu vous appelle à faire le droit pour réparer cette injustice. Les choses que vous faites avec beaucoup de facilité. Même quand les gens souffrent, les gens essayent de monter quelque chose, ils n'arrivent pas. Mais quand toi tu arrives, 2 minutes tu le fais. Ça peut être un signe indicateur de votre mission. Les choses que vous faites avec joie, les gens le font avec peine, ils le font malgré eux. Mais quand toi tu le fais, tu chantes, tu danses, tu le fais, ça peut être un signe. Mais pour découvrir la raison de votre existence, en dehors de ces signes-là, de ces choses-là, c'est aller vers Dieu, lui poser des bonnes questions. La Bible dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Okay. Donc, tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. Donc les choses que nous voyons, en dehors de ce que nous voyons, il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Et les choses que nous ne voyons pas, ce sont les choses que Dieu a réservées pour les gens qu'il aime. Lorsqu'il le cherche, il lui pose des questions, Dieu lui révèle ces choses-là et leur destin change. Mais pasteur, la question là justement, pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi j'existe? Pourquoi vous existez? C'est vrai, on va la poser à Dieu, mais on peut poser aussi à vous qui avez reçu la formation du fabricant. Pourquoi? Parce que vous êtes une réponse pour l'humanité. Chaque être humain. Comprenez-moi très bien, tonton, Jaco. Les gens qui ont réussi dans la vie, ce ne sont pas des gens intelligents seulement, mais ce sont des gens qui ont répondu à un besoin. La Terre a un besoin. Lorsque vous répondez à un besoin, vous aurez l'argent. En fait, tous les gens qui se sont enrichis avec vos problèmes.
L'avocat devient riche avec nos problèmes. Les gens qui nous coupent la pelouse à la maison, ils deviennent riches avec nos problèmes. Donc, tous les problèmes que nous avons, les autres réfléchissent par rapport à leur mission. Ils nous donnent la solution et ils deviennent riches par rapport à nos problèmes. Okay. Donc, si vous ne résolvez pas les problèmes, il sera difficile pour vous d'être aussi important sur la Terre. Donc, il faut comprendre d'abord que vous êtes une réponse pour notre planète. Si vous ne comprenez pas que vous êtes une réponse, vous serez plus un problème. Si vous pensez que vous êtes un hasard, vous allez entendre des choses, les hasards, tout le temps. Si vous croyez que vous êtes un accident biologique, vous allez faire beaucoup d'accidents sur la Terre. Mais plus tôt vous découvrirez votre mission, la raison de votre existence, vous ferez moins d'erreurs sur la Terre. Alors, on avait déjà décollé, oui, on était déjà parti. J'ai beaucoup de questions, mais en plus, il faut qu'on chante. Piano, piano. D'accord, piano. Alors, on écoute d'abord un autre cantique et puis nous allons continuer avec les questions.
Poser. Que des questions à se poser. Et la bonne personne à qui nous devons poser toutes ces questions, c'est à Dieu. Dieu, pourquoi j'existe? Pourquoi tu m'as envoyé dans cette famille? Pourquoi tu m'as envoyé seulement en RDC? Pourquoi seulement à l'est de la République? Pourquoi? Et puis, il va vous répondre comme lui-même, il est dit dans Jérémie 33. Alors, pasteur Jean, chacun de nous, tonton Jacques a posé cette question. Il faudra d'abord connaître la raison de son existence. Et une fois que vous aviez connu ou vous connaissez la raison de votre existence, la suite, vous devez travailler là-dessus. Vous mettre au travail pour finalement accomplir votre mission. Alors, juste une question de curiosité par rapport à cette personne peut-être qui s'est déjà posé la question. Lui-même, Dieu, il est dit dans sa parole qu'il a formulé des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais cette personne qui, dès son enfance, elle a grandi dans la souffrance, toujours les difficultés, papa était je ne sais pas qui, maman, les familles qui n'ont pas eu de nom ou qui n'ont pas fait de nom. D'ailleurs, quand on lui dit, tu es un enfant bâtard, parce que papa n'a pas Sundo là, quand même. Lui, là aussi, il est né, il existe parce qu'il a une solution à apporter au monde. Oui, tonton Jaco, je vais dire quelque chose. Ça peut choquer les téléspectateurs, mais c'est une vérité fondamentale. Je vais revenir parce que nous avons une mission globale dont je vais revenir tout à l'heure. Dieu nous a créés pour que nous soyons ses co-créateurs, ses collaborateurs ici sur la terre. Mais dès lors, je n'encourage pas la manière dont certains enfants viennent dans le monde. Mais dès lors, un enfant est vivant, est sorti dans ce monde, il vient pour accomplir une mission, quelle que soit la manière dont cet enfant est entré dans le monde, quelle que soit la manière dont cet enfant est arrivé. Il y a une raison pour son existence. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la raison, Dieu ne permettra pas que cet enfant... Il serait même pas né. J'aimerais peut-être dire quelque chose, que les téléspectateurs pardonnent ma vulgarité. On dit en biologie, lorsque les parents sont dans leur relation intime, il y a des milliers et des milliers de spermes qui font la course, vous comprenez, des sémences, mais il n'y a qu'une seule sémence qui entre. Donc cet enfant-là qui est entré, il a gagné la bataille avant même, lorsqu'il faisait la course avec ses frères qui sont restés de l'autre côté. Donc le fait pour lui d'entrer dans ce monde, il est victorieux. Donc il est venu avec un plan. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il souffre que Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu permet certaines choses pour que vous appreniez dans cette situation-là, afin que vous aidiez d'autres personnes. Parce qu'il n'y a que celui qui a souffert de faim qui peut comprendre c'est quoi la faim. C'est lui qui peut aider les gens. Vous savez, un jour, Bill Gates mangeait dans un restaurant, il a fini de manger, il a laissé le pourboire, je crois, de 20 dollars. Et les gars, le serveur, les gens qui servent, ils l'ont regardé, ils ont dit, mais attendez, mais nous sommes en face de l'homme le plus riche de la planète. Vous nous donnez 20 dollars de pourboire. Il y a encore quelques semaines, ton fils était venu manger ici. Il nous a laissé 500 dollars de pourboire. Et Bill Gates regarda les jeunes hommes. Il dit, écoutez-moi très bien. Mon fils peut vous donner 500 dollars parce que son père est l'homme le plus riche de la terre. Mais moi, je vous donne 20 dollars parce que mon père était bûcheron. N'oubliez pas d'où vous venez, jeune homme. Donc, il est très important par moment. Lorsqu'on souffre, lorsque nous connaissons des moments difficiles, Dieu veut nous donner ces cœurs-là, le cœur pour la situation que nous traversons. Parce que c'est lui qui souffre, il peut venir au secours des autres qui sont dans la souffrance. Parce qu'il sait, il connaît ce qu'est manquer un vêtement, manquer un pain. Donc ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu n'est pas là, que Dieu n'a aucun plan avec vous. D'ailleurs, vous verrez tous les noms célèbres, tous les gens qui sont devenus grands, forts, puissants, ils ont traversé des moments difficiles. Toutes les célébrités du monde, ils vous diront qu'ils ont connu de peine, la sueur, la souffrance, le sang. Et aujourd'hui, ils sont devenus des hommes forts et des hommes riches. Et ils donnent beaucoup d'argent dans les œuvres caritatives. Parce qu'ils ont compris c'est quoi la peine et la souffrance. Mais quelle est cette mission, cet enfant qui est né, bon, qui n'est pas venu par hasard, il est venu pour une mission. Quelle est cette mission? Judas était né également pour une mission. Tout à fait. Celle de vendre Jésus. Tout à fait. Ce n'était pas une bonne mission en tout cas. Non, le problème, ce n'est pas une bonne mission. Parce que vous voyez, comme je disais autrefois, la vie, elle est comme le jeu de puzzle. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi une pièce qui ne vous plaît pas.
le visage n'est pas bon, mais vous devez le placer pour avoir un bon dessin. Oui. Alors, toute la vie comme elle est, lorsque vous mangez un gâteau, n'est-ce pas, vous êtes satisfait ou satisfaite, n'est-ce pas? Vous régalez, mais vous savez la composition des gâteaux. Oui. On vous met les œufs. Mais est-ce que vous pouvez avaler ça comme ça? Ça ne passe pas. Trop de sel, ça ne va pas passer. Trop de sucre, ça ne va pas passer. Mais le mélange tout de toutes ces choses-là, la sommation ça de tout, merveilleux gâteau. C'est ce qui fait la vie. La vie, c'est la sommation de peine, de souffrance, de mort. Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas aimer ma personne sans pour autant aimer ce que j'ai connu. Parce que tout ce que j'ai connu, c'est ce qui a fait la sommation de ma personne. Mais notre thème, justement, c'est que, on a dit dès le début, il y a une raison. Pour on votre a tous, existence. Oui, une raison pour notre existence. Vous avez donné la première raison, c'est nous existons pour un besoin. Oui. Pour remplir, répondre à un besoin. Tout à fait. Alors, quelles sont les autres raisons? Les autres raisons, donc, qui est la raison générale et fondamentale, c'est que Dieu nous a créé, Genèse chapitre 1, 26e verset jusqu'au 28e verset, Dieu a dit « Créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre ». Voilà, quand Dieu vous crée ou Dieu nous crée, Dieu donne l'objectif. Dieu ne vous a pas créé pour vous délaisser, pour vous laisser désorienter sur la terre. Il vous a créé avec un objectif. Mais en vous créant, depuis Dieu a créé les derniers hommes ou la dernière espèce qui était Ève, Dieu ne peut revenir sur la terre pour créer encore. Donc Dieu ne peut revenir sur la terre pour créer parce qu'il savait. En vous créant, vous les êtres humains, vous êtes devenus ses co-créateurs. Okay. Parce que le septième jour, quand il a fini son travail, il s'est reposé. Dieu s'est reposé, il sait, mon co-créateur, l'homme que j'ai créé, il va continuer le travail de la planète. Il va continuer à donner le réponse aux besoins de la planète. Je vous dis, Dieu a créé les arbres, le fruit, mais il n'a pas créé les jus de fruits. Quand les besoins du jus de fruits sont arrivés, enfin, est arrivé sur la terre, l'un des co-créateurs de Dieu a imaginé, il a fabriqué les jus de fruits. Donc, lorsque le besoin de téléphone est arrivé, Dieu n'est plus descendu sur la terre pour nous fabriquer les téléphones. Mais un de ses co-créateurs, il a fait ce travail-là. C'est pour cela, le premier, quand le couple Adam et Ève ont eu leur premier enfant, ils ont dit, nous avons créé l'homme avec l'aide de Dieu. Donc, ils ont dit que nous sommes des co-créateurs. Donc, tout ce que Dieu a fini son travail. Le reste des choses qui se passent sur la terre, Dieu le fait en connivence avec l'homme. Saint Augustin disait quelque chose qui m'est choqué au début, mais petit à petit, je commence à le comprendre. Il disait, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais sans nous aussi, Dieu ne peut rien. Sur la planète Terre, tout ce que Dieu fera, il le fera à travers l'homme. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour faire pleuvoir l'argent sur la terre, il va utiliser l'homme. Si vous voulez être guéri, Dieu va utiliser un homme pour vous imposer les mains. Pour être sauvé, Dieu va utiliser un homme pour vous prêcher la bonne nouvelle pour que vous soyez sauvé. Tout ce dont vous avez besoin, en tout cas, en général, la plupart des choses dont vous avez besoin sur la terre, Dieu utilisera toujours son co-créateur pour vous les donner. Donc il y a la part de Dieu, il y a également la part de l'homme. La part de l'homme. Oui. Mais en parlant de co-créateur, co-créature, co-création, quelque part, c'est une parenthèse que j'ouvre comme ça, parce que vous avez parlé de ça. Est-ce que quelque part, l'homme n'a pas aussi poussé un peu trop loin son pouvoir de création ou d'imagination? Parce que maintenant, il y a même l'homosexualité. Maintenant, on veut aller même sur la Lune, on veut aller sur Mars, on veut voir les ovnis, on veut voir les extraterrestres, on veut créer des clones, on veut faire des clonages. Est-ce qu'on n'a pas un peu exagéré dans notre... Bon, ça, c'est une bonne question qui peut nous prendre même 30 minutes de réponse. Mais je vais essayer de synthétiser. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'avait créé. D'ailleurs, l'homme, les savants, les grands scientifiques disent que l'homme n'utilise seulement 2% ou 3% de son intelligence. Okay. S'il arrive à 5%, on l'appelle savant. Donc l'homme meurt avec 95% de sa connaissance. Okay. Pourquoi? L'homme est la créature la plus, l'une des créatures la plus parfaite que Dieu a créée. De tout ce que Dieu a créé, la créature qui a atteint la perfection, c'est l'homme. L'homme est vraiment le prototype de Dieu. L'image même. L'homme est l'image de Dieu. J'ai peur de dire certaines vérités, mais je vais les dire. L'homme a été créé de peu inférieur à Dieu.
Psaume chapitre 8, 5e verset et les suivants. Dieu a dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tu l'as créé de paix inférieure à toi. L'homme a été créé de paix inférieure à Dieu. L'homme est la manifestation de Dieu. Quand vous voyez Dieu, il dit, créons l'homme à notre image. L'image dont la Bible parle, ce n'est pas la petite taille ou claire, non. Parce que l'image de Dieu dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, Dieu dit, Dieu est esprit. C'est ça l'image de Dieu. Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit. Donc l'homme, l'espèce, l'homme là, a été créé, tiré de Dieu. Donc pour que Dieu crée l'homme, Dieu a pris une partie de lui. D'ailleurs, le texte original, Bara l'explique bien, il a pris quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose d'invisible pour créer l'esprit. C'est pour cela que notre esprit est invisible. Mais il a formé l'homme aussi à partir de quelque chose qui existe. La poussière de la terre, il a fait son corps. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image. Pourquoi? Parce que les diables voulaient être comme Dieu. Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Ils voulaient être comme Dieu. Et Dieu n'a pas voulu, parce qu'il disait, je m'élèverai, j'élèverai mon trône et je serai semblable à Dieu. Dieu l'a précipité. Et Dieu a dit, puisque tu voulais devenir comme moi, je vais créer une créature qui sera comme moi. C'est pour cela, Dieu a créé l'homme pour faire mal aussi au diable. Pour lui dire, tu voulais devenir comme moi, mais je te crée une créature qui sera comme moi. Maintenant, les diables, sachant cela et l'homme ignorait cela, il est venu vers lui pour lui dire, Dieu sait, le jour où tu mangeras le fruit, tu seras comme lui. Or, l'homme était déjà comme Dieu. Pour casser ce processus. Il voulait casser ce processus. Parce que l'homme était déjà créé comme Dieu. Son fonctionnement, son caractère, sa vie, sa nature. Parce que l'homme avait la vie qu'on appelle Zoé, qui est la vie de Dieu, et l'homme avait aussi les bio. Maintenant, le bio, c'est notre existence, quand je parle. Mais il y a, en dehors du bio, il y a Zoé, la vie de Dieu. Une vie sans faille, sans difficulté, sans maladie. Une vie de domination et d'influence. L'homme avait cette vie-là. Mais quand il a péché, en fait, il était venu avec un programme de Dieu. Quand il a péché, il a déprogrammé le programme de Dieu. Maintenant, Dieu nous envoie le Christ. Pourquoi? Pour reprogrammer ce que les diables avaient déprogrammé, afin que nous accomplissions le programme de Dieu. C'est peut-être parce qu'il était l'image de Dieu, certes, mais il est venu aussi sur cette terre sans connaissance même, sans savoir qu'il était comme Dieu. L'homme, quand Dieu l'a créé... Parce que le diable, lui, le savait. Le diable ne le savait pas. Le diable le savait. Et l'homme, on dit que l'homme ne connaissait ni le bien ni le mal. En théologie, on appelle ça la dispensation de l'innocence. Donc, il était innocent, l'homme. Il ne connaissait ni le bien ni le mal. Ce n'est pas... Cela ne veut pas dire que le mal n'existait pas, parce que le diable était déjà sur la terre, le mal était là. Mais l'homme ne savait pas ce qu'il faisait, si c'était le bien ou le mal. Il y a un principe en droit, on dit « nous l'ulcruman, nous la poéna sinélegue ». C'est-à-dire, pour condamner quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait une infraction. Et cette infraction doit être prévue dans un texte, dans une loi. Par exemple, si j'écris « ce n'est pas une infraction », le magistrat ne peut pas me poursuivre. Parce qu'il n'y a pas un texte qui parle de ça. Alors, le péché est péché lorsqu'il y a une loi qui parle de ça. Parce que le péché veut dire « Amar s'est raté sa cible » ou « transgresser une loi ». Pour transgresser, il doit y avoir une loi. Alors, la loi que l'homme avait, c'était une seule loi, de ne pas manger l'arbre du connaissance du bien et du mal. C'était ça son péché. Tout ce qu'il faisait, même si c'était mal, ce n'était pas un péché. Parce qu'il n'y avait pas un texte qui parlait de ça. Mais quand l'homme a mangé, il a déprogrammé tout le programme de Dieu. Et le diable a réussi. Mais comme Dieu était plus intelligent, Dieu savait qu'il va nous envoyer le Christ pour reprogrammer l'homme, afin qu'il accomplisse le programme de Dieu. C'est pour cela, la nouvelle naissance, c'est pour cela que nous l'appelons la nouvelle naissance. Tous les gens qui ont changé le monde, ils sont nés une seule fois. Mais nous, nous sommes nés deux fois. Mais pourquoi nous ne changeons pas le monde? Nous nous sommes nés deux fois, ça c'est une bonne question aussi, hein, pasteur. Et moi j'en profite également pour vous la poser aussi. Puisque nous nous connaissons, nous sommes nés deux fois. Puisque nous mangeons cette bonne nouvelle, on n'est plus, on ne vit plus dans l'ignorance. Maintenant nous savons pourquoi nous existons, mais pourquoi les choses n'évoluent-elles pas? Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Je peux même paraphraser, je connais ma mission. Je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi, je sais comment, je sais. Mais... j'ai l'impression de stagner, ça n'évolue pas. Tout à fait, c'est une bonne question. Je sais que si on posait cette question à certaines personnes qui sont trop spirituelles, ils vous diront c'est les combats, c'est les démons, c'est les diables. Il faut que non. Il y a des choses
Vous savez, même la fille du féticheur, c'est Marie. Donc, ne perds pas le temps de dire, oh, c'est les liens. Oui, il y a des liens, mais il y a des choses qui font pour que les mariages puissent se faire. Mmh. Je disais ça quelques jours encore dans l'enseignement à l'église. Un frère venu voir l'homme de Dieu pour dire, prie pour moi, parce que je viens de postuler pour un travail. Je vais devenir, je travaille dans le service client, le service clientèle. Alors l'homme de Dieu lui dit, tu n'auras pas ce travail. Le frère était choqué. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'en parlant avec toi, tu pues la bouche. Tu dégages une mauvaise haleine. Donc pendant que tu faisais l'entretien, la personne qui t'écoutait là était mal à l'aise. Mmh. Il ne va pas te prendre. Oui, donc, oui. En dehors... Ça va, sortez de mon bureau, sortez. Même si vous connaissez votre émission, il y a des choses que vous devez faire pour l'accomplir. Mmh. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son travail, l'habilité, l'ingéniosité, la stratégie, il y a 100 coiffeurs sur ton avenir. Qu'est-ce que tu fais pour que tu sois un coiffeur différent? Donc, l'habilité, l'ingéniosité. Ne fais pas des choses seulement parce que tu veux les faire. Tu fais un restaurant... Tu veux climatiser, mettre des belles chaises, c'est bien. Mais les gens ne mangent pas la climatisation. Ils mangent la nourriture. Il faut bien préparer. Donc, tu commences d'abord par l'objectif. Donc, le problème et la difficulté que nous avons aujourd'hui avec nous, les chrétiens, c'est que quand nous faisons les choses, nous ne les faisons pas bien. Nous les faisons rapidement. Sans excellence. Et c'est ça la difficulté que nous avons. Et ça ne réussit pas généralement à cause de ça. Mais je n'exclus pas. Voilà, je n'exclus pas aussi qu'il y a les diables qui peuvent nous combattre, qui peuvent combattre notre mission. Mais les diables ne peuvent pas vaincre ta mission. C'est seulement la limite que toi-même tu te donnes dans tes pensées. Okay. Parce que la Bible dit tel un homme pense tel qu'il est. Okay. Si tu te limites déjà dans tes pensées, il est difficile pour toi d'aller encore plus loin. L'homme ne peut pas aller au-delà de ce qu'il pense. La plus belle maison que vous pouvez construire dans un village, c'est seulement la maison que vous avez vue dans le village. Mais lorsque vous sortez du village, vous venez à Kinshasa, vous voyez des belles maisons, ça ouvre votre pensée, votre imagination. Donc c'est un peu ça, la difficulté que nous avons. Pourquoi nous ne réussissons pas? Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous, ce n'est pas que Dieu ne nous a pas appelés, mais c'est parce que nous ne sommes pas habiles dans ce que nous faisons. Même la manière dont nous préparons nos prédications. Il y a de grands orateurs que je connais dans le monde, chaque samedi, ne sortent pas de leur maison. Ils restent là pour préparer le culte des dimanches. Mais nous préparons le message une heure avant la prédication. Comment tu peux bien donner aux gens? Nous travaillons, vous venez déjà à 13h et vous voulez rentrer à 15h. Comment voulez-vous que votre chef puisse tirer son attention vers ta personne. Donc, il y a des choses que les chrétiens ne le font pas très, très bien. C'est pour cela, moi, j'ai un peu peur des chrétiens parce que ce sont des gens très dangereux. Comment ça, pasteur? Je peux vous dire une chose, par exemple. Les chrétiens connaissent la puissance du pardon. Ils peuvent te faire du mal en sachant que Dieu va les pardonner. Ah. Un païen aura peur de la culpabilité, mais un chrétien sait que Dieu pardonne et il oublie. Donc il y a des choses que je fais un peu très attention aux chrétiens, surtout s'ils ne sont pas bien affermis. Donc nous prenons, moi je suis parti dans plusieurs bureaux, vous voyez des chrétiens, comment elle est insolente, comment elle est impolie, comment elle te répond. Et à la fin je regarde, elle portait un bracelet de son église. J'ai dit, tu es chrétienne. Mais ça fait quoi? Donc voilà, donc, à l'église c'est une autre personne, mais au travail c'est une autre personne, c'est aussi une autre personne. La question est celle de savoir, pourquoi le sœur, le maman qui vient dans nos églises, leur mari ne viennent pas à l'église? Parce qu'à la maison, elle est une autre personne. À l'église, elle crie Alléluia. Mais à la maison, elle allume le feu et elle fait des bagarres avec son mari. C'est ça la difficulté. Comme que le mari ne sait pas voir la chrétienté en toi. Voilà. Et le mari va dire, c'est ça ce qu'on vous prêche dans votre église. Moi, je ne viendrai jamais dans votre église. Le mari voit directement le pasteur. Or, le pasteur fait un bon travail. Donc, je pense que le problème aujourd'hui, pour répondre à Omar Dorcas, si les gens ne réussissent pas, seulement parce que, pas parce qu'ils ne sont pas appelés, mais c'est parce qu'ils ne sont pas habiles dans leur travail. Ils ne font pas une étude approfondie par rapport à leur mission. Parce que, vous savez, vous pouvez connaître votre objectif, mais il est important aussi de connaître la direction que vous devez prendre. Je donne un exemple. Si je suis ici, je dis, bon, je vais partir en ville. À 7h peut-être, si je passe par magasin, c'est bouchonné et je ne vais pas passer. C'est ça aussi l'habilité, l'ingéniosité. Tu as un appel, tu as une mission, mais tu établis des stratégies. Comment faire des choses? Parce qu'en dehors de la vision qui est la mission, il y a la télévision, il y a la révision, il y a la provision. Donc il y a toutes les choses que vous devez étudier
mettre en place pour réussir votre mission sur la Terre. Il y a également l'entourage, les gens qui nous entourent, dans nos familles, les amis, l'environnement également, des fois empêche ces chrétiens finalement d'accomplir sa mission. Je suis d'accord avec vous parce que l'environnement dont je prends, les amis, les personnes qui nous entourent et l'environnement, ça c'est aussi les clés pour réussir une bonne mission. Parce que voyez-vous, Dieu a créé chaque créature et Dieu a placé chaque créature dans un environnement précis. Vous imaginez si un lion entrait ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes tous des chrétiens, nous parlons en langue ici. La première intention, nous allons fuir. Oui. Pourquoi? Parce que le lion entre dans un environnement qui n'est pas à lui. Oui. C'est pareil, comme un homme. Un homme ne peut pas aller vivre dans l'eau. Pourquoi? Parce que vous voyez, le poumon de l'homme est plus grand que le poumon d'un poisson. Mmh. Mais un poisson peut rester des années dans l'eau, il n'aura pas de problème. Mmh. L'homme a un grand poumon, mais il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que son environnement, ce n'est pas l'eau. Yeah. Donc s'il va là-bas, il risque de mourir. Mmh. Mais prenez un poisson, enlevez-lui dans son environnement, mettez-le dans l'environnement de l'homme. Mmh. Sans l'eau, il va suffoquer, il va finir par mourir. Oui. Parce que ce n'est pas son environnement. Regardez l'oiseau, depuis qu'il a commencé à voler, il ne se fatigue pas. Mmh. Mais un avion, avec toute la technologie, au bout d'un moment, ça doit descendre. Mmh. Parce que c'est l'environnement, il y a une puissance dans l'environnement. Et Dieu a créé les environnements avant même de créer l'homme. Mmh. Avant que Dieu crée l'homme, Dieu avait créé un environnement. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu le plaça dans les jardins, dans un environnement qu'il avait préparé pour lui. Donc si vous n'avez pas de bon, vous ne vivez pas dans un bon environnement, vous risquez de connaître des difficultés dans votre mission. Et la deuxième chose, ce sont les gens qui nous entourent. Ce qui fera votre différence entre aujourd'hui et les 5 prochaines années qui vont arriver, ce sont les personnes que vous allez fréquenter, les prédications, les enseignements que vous allez écouter, les livres que vous lirez, c'est ce qui fera votre différence à partir d'aujourd'hui et dans les 5 prochaines années. Donc on doit commencer à choisir alors les personnes à fréquenter alors. Il est très important, même Jésus a choisi des amis. Jésus, à un moment, il priait et il enseignait tout le monde. Au bout d'un moment, il partait avec les 12. Et à un moment, il prenait 3 et il priait. Et un jour, il a dit à ces 3-là, restez ici, je vais seul. Donc il est très important, chaque personne dans votre vie doit être placé par rapport à votre mission, par rapport à votre appel, par rapport à votre besoin. À votre besoin. Parce que, voyez-vous, Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier son fils. Abraham était en train d'aller commettre le meurtre, l'assassinat. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il n'a pas informé sa femme. Parce que s'il avait informé sa femme allait dire, j'ai passé 90 ans pour attendre cet enfant. Maintenant tu me dis, soi-disant que ton Dieu a demandé de tuer cet enfant. Excusez-moi. Non, vous voyez. Alors, quand vous prenez, il partait avec ses serviteurs. Il arrive quelque part. Il voit la montagne où il devait sacrifier son enfant. Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. De peur qu'à la montagne, vous allez me dire non. Non, assistance en personne en danger. Non, il ne faut pas le faire. Sarah risque de mourir. Non, parce que je vais dans ma destinée. Là où je vais, Dieu m'a demandé d'être seul. Il y a certaines situations... Il faut dire à certaines personnes, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas mon ami. Par rapport à ce que je vais faire. Parce que le problème, c'est quoi? Une femme qui est enceinte ne mange pas n'importe comment, ne vit pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle porte la sémence. Il y a des gens qui ne portent pas la sémence, risquent de te détruire. Mais toi, tu as la sémence, comporte-toi comme quelqu'un qui porte la sémence. J'avais déjà une autre question, parce que finalement je me dis, bon, Jésus a eu également à faire un choix, mais finalement si on commence à faire tout le temps le choix, on va rester entre nous chrétiens. Or nous avons un grand rôle également à jouer, parce que ces gens-là doivent également venir dans notre camp, ils doivent également se convertir, mais s'il faut tout le temps les repousser, les écarter, je ne pense pas avoir dit que vous devez rejeter le faible, repousser les faibles, parce que même dans 1 Corinthiens 1, 26, la Bible dit, Dieu nous dit, parmi les hommes qu'il a appelés, il n'y avait que les choses viles de ce monde, les gens faibles de ce monde. Nous autres aussi, Dieu nous a tirés quelque part. Mais je dis simplement, il y a une mission. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez une entreprise. Vous n'allez pas engager un secrétaire incompétent. Donc, il faut faire un choix. La vie est faite de choix. Mais je suis bien avec tout le monde. Même les plus idiots de ma famille, ils viennent chez moi, ils mangent. Mais quand il s'agit de certaines décisions de la vie, je ne prends pas n'importe qui. Parce que où je vais, ça va déterminer aussi ma vie. Ça va déterminer... Or, chaque vie
lit toujours d'autres vies. C'est-à-dire que lorsque moi j'échoue, je fais échouer les gens qui sont derrière moi. Donc mes choix, mes décisions, je dois toujours faire attention. Donc c'est-à-dire que au-delà de ces choses-là, il ne faut pas seulement dire nous devons aller vers vers tout le monde, nous devons aller vers le païen pour les gagner, parce qu'il n'y a pas un autre moyen de gagner une personne sans la proximité. C'est la proximité, le fait d'aller vers les autres qu'on peut les gagner. Mais pour certaines décisions de la vie, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Ah oui, bien sûr. Vraiment une petite chanson. Une en 2-3 minutes. Voilà, en 2-3 minutes, parce qu'on va lancer l'invitation. Le pasteur va quand même prier pour toutes ces personnes qui ont cette envie-là. Dieu, il est Dieu, il est Dieu, et il est
est le seul qui nous fait du bien. Mmh. Il est le seul qui peut combler ces vides qui est en vous, qui nous regardez en ce moment. Mmh. Je ne sais pas si quelle est cette situation que vous vivez, mais laissez-nous vous rassurer que Jésus-Christ est vivant. Il est mort pour mmh. toi. Il a tout pris et à la croix, il a dit tout est accompli. Mmh. Donc, il n'y a plus de raison pour te plaindre. Voilà une occasion qui se présente. Mmh. On va demander à notre invité, le pasteur Jean Toto, d'aider toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, mmh. celles qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Merci beaucoup. Mmh. Nous voulons prier. Si vous n'avez votre jamais donné votre vie, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, je fais cet appel. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, il y a une condamnation sur eux. La condamnation a été enlevée seulement pour ceux qui sont en Christ. Et pour cela, vous devez comprendre, Dieu a besoin de vous pardonner. Dieu veut que vous rentrez à la maison. Dieu veut se réconcilier en vous. La justice de ce monde justifie seulement ceux qui sont innocents. Mais Dieu justifie les coupables. Vous n'avez aucune raison pour vous défendre devant Dieu. Vous savez ce que vous avez fait dans le passé. Mais Dieu est capable de vous sauver aujourd'hui. Dieu est capable de commencer une nouvelle chose, une nouvelle histoire avec votre vie. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, il est temps que vous fassiez cette prière avec moi. Le problème, ce n'est pas la récitation. Le problème, c'est de croire dans le cœur. Vous pouvez réciter sans pour autant croire dans votre cœur. Croyez, même si vous le dites en français, en lingala, en swahili, en kikongo, quelle que soit votre langue, Dieu peut comprendre. Mais si vous croyez dans votre cœur, il va intervenir dans votre vie. Je fais cette prière, si vous pouvez répéter cela avec foi dans votre cœur, en disant, Père, au nom de Jésus-Christ, je viens à toi, toi qui es ma source. Je conduis ma vie seule, sans pour autant connaître tes voies. Je reviens à toi parce que toi, tu connais ma vie et tu connais ma source, tu connais mon futur, tu connais ce qui va m'arriver demain. Je prie, Seigneur, que tu ne comptes pas mes péchés. Comme la Bible dit, errez le peuple dont l'Éternel ne compte pas son péché. Pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités. Je n'ai aucune raison, de défense. Je ne peux même pas me défendre parce que je me suis trouvé coupable devant toi. Mais comme tu justifies le coupable et tu pardonnes son péché, je m'approche à toi. Je prie que tu me pardonnes et que mes péchés soient oubliés, que je devienne une nouvelle personne. Accepte-moi, Seigneur, dans ta famille. Lave-moi par le sang de ton Saint-Fils Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Touche leur vie, afin qu'ils puissent te connaître. Dirige leurs pas dans de bonnes églises. Seigneur Dieu de gloire, conduis-les devant de bons pasteurs qui ont un cœur pour ton travail. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Là, vous venez de faire le bon choix. Le bon choix, parce que c'est le bon choix. Oui. Accepter Jésus-Christ dans sa vie, c'est le bon choix. Parce que c'est le seul chemin par excellence pour atteindre le royaume des cieux. Mmh. Le seul. Et une fois sur ce chemin, il faut également travailler. Hein. Mmh, tu ne vas pas dire, je suis sur le chemin. Donc j'irai au ciel. Non, c'est garanti. Grandir, évoluer. Et comment tu vas grandir? Il faut écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et n'oublie pas, il y avait seulement... Cette place-là était finalement gardée pour toi. Mmh. Parce que quand il a dit dans la Bible, « Allez et faites de toutes les nations », il n'avait pas précisé. Hein. Mmh. Non, pasteur Jean Toto, tonton Jacob, vous... Allez. Non, non, non. Allez, c'est un ordre. Mmh. Maintenant que tu viens d'entrer, il faut passer par les affermissements, il faut manger cette bonne nourriture, grandir, afin de gagner également les âmes. Mmh. On sera à côté hein, à la fin. Mmh. C'est très important. Oui, on sera à côté. En parlant de l'exemple que le pasteur Jean Toto avait donné de ces chrétiens qui pensent qu'ils n'évoluent pas parce que nous ne savons pas faire les choses comme il faut, priez pour moi parce que pour aller, j'ai postulé pour un travail, alors que tu as déjà une mauvaise haleine. Il y a quelque chose qui est monté dans ma tête. Il faut d'abord commencer par... Peut-être que maman Dorcas me supporte aussi. Attends, je fais... Ai-je une mauvaise haleine? Non. sinon on allait déjà... Oui. Tu allais déjà voir une autre co-présentatrice. Bonjour, tonton Jacob. Bonjour, maman Dorcas. Non, à la télé, j'allais quand même supporter, j'allais pas faire ça. Non. Donc, il y a des choses hein, que nous, chrétiens, nous devons également faire.
Dieu a sa part, nous avons également notre part. Amen. Hein, nous avons déjà cette autorité-là. Des fois, on fatigue les hommes de Dieu pour rien. Pour un petit homme de Dieu, priez pour moi. Mmh. Homme de Dieu, priez pour moi. Non, commence d'abord par lire, faire des recherches sur Internet ou poser des questions. Comment faire pour éliminer finalement cette mauvaise haleine? Et puis après, tu verras que hein, même à l'église, ça se passe aussi. Hein. Tu viens à l'église sans te brosser les dents, tu ne t'es pas lavé. Voilà, tu es là à côté de moi et puis on dit, on va adorer. Tu m'étouffes, je ne saurais pas adorer mon Seigneur parce que toi, tu as une mauvaise haleine. Ou tu parce que tu ne t'es pas bien lavé. Tu es élève ou étudiant, tu as une interrogation et tu dis. Et tu dis, prépare ton affaire. Il faut étudier. Non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et le pasteur l'a dit ici, Dieu a créé, mais je ne pense pas qu'il le faisait du matin au soir. Il arrivait à un moment où il s'est reposé. La preuve, le septième jour, il a dit, il a vu que tout ce qu'il avait fait était bon. Il a dit, bon, là je peux aussi me reposer. Il y a un temps pour chaque chose. Gare également aux bergers ou aux pasteurs qui nous demandent de passer tout notre temps à l'église. Hein. Nous devons travailler parce qu'il y a les dîmes que nous devons donner. On doit également donner, je ne sais pas moi, l'aumône, l'offrande et tout. Parce qu'on a besoin de cette bénédiction. Il faut travailler voilà, aussi. Voilà, il faut travailler aussi. Alors, pasteur, on arrive déjà à la fin. Juste un petit résumé. Un résumé de tout ce qu'on a dit ici ce matin. Avant de donner le programme de l'église et des actions que vous aurez à mener. Merci. D'abord, le résumé. Merci beaucoup. Deux, trois mots. Oui, les Chinois disent le voyage de 1000 km commence par un pas. Yeah. Donc, après avoir donné votre vie à Jésus, si vous voulez aller plus loin, commencez déjà à faire un pas. Si vous n'arrivez pas à marcher, rampez même. Mais pourvu que les gens ne vous trouvent pas là où ils vous avaient laissé hier. Continuez toujours à avancer, même en rampant, vous finirez par arriver et atteindre votre objectif. J'aimerais conclure tout ce que nous venons de dire ici. Qu'il y a une vie qui vient de naître maintenant. Il y a un bébé maintenant qu'on est en train de porter, qu'on est en train de changer la couche pendant que vous me suivez. Mais le bébé là que vous portez, vous ne savez pas, peut-être c'est la prochaine réponse de notre planète. Peut-être ce bébé là que vous arrangez les cheveux, que vous peignez là, c'est lui qui va donner la réponse à notre planète. Parce que, pardon, en 1984, lorsque Thomas Sankara faisait la rage, on parlait de Mobutu, on ignorait qu'il y avait un bébé qui venait de naître, qu'on était en train de peigner ses cheveux, c'était Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes sur Facebook. En 84, lorsqu'on parlait de Sankara, personne ne connaissait ces bébés-là. Mais c'était une réponse pour notre planète, pour la manière de communiquer aujourd'hui. Nous communiquons dans peu de temps, les gens sont touchés, les gens sont, il y a une interconnection. Le monde est devenu petit. Voilà, pourquoi? Parce que en 84, lorsqu'on parlait de Sankara, mais on ignorait aussi qu'il y a une autre réponse qui était venue sur la Terre. En 1809, lorsqu'on parlait de Napoléon qui a ravagé l'Autriche, on disait qu'il va conquérir tout le monde entier. On ne savait pas qu'au même moment-là, il y avait un bébé né d'une famille d'illettrés qu'on appelait Abraham Lincoln, qui est venu pour abolir l'esclavage. Donc chaque espèce, chaque bébé maintenant qui est en train d'être porté par ses parents est une réponse pour notre planète. C'est pour cela, quand Rebecca était enceinte, les enfants se heurtaient dans le ventre. Rebecca, elle est partie consulter Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas des enfants qui sont dans ton ventre, c'est des grandes nations qui sont dans ton ventre. Elle voyait des bébés, mais Dieu voyait des nations. Ce que vous voyez comme bébé, c'est une entreprise, c'est une institution, c'est une réponse à notre planète. Donc, et vous qui êtes enceinte maintenant, n'avortez pas. Parce que vous ne savez pas, peut-être vous allez avorter la réponse pour notre planète. Si la mère de frère White avait avorté, on n'allait pas avoir des avions. Si la mère de Bill Gates avait avorté, on n'allait pas avoir Microsoft. Si la mère de tous ces savants, de Marconi, avait avorté, on n'allait pas avoir la radio, les téléphones, tous les systèmes qui passent par les ondes. Parce que ses parents ont supporté leurs enfants. Ignorant qu'ils étaient de mission, ils pensaient qu'ils étaient des bébés. Et chaque vie a une importance devant Dieu. Vous qui ne suivez. De l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba avait avorté, imaginez. On n'allait pas avoir imagine. Et on si votre pas mère avait avorté, grandeur. On n'allait pas avoir tonton Jacques, on n'allait pas avoir ta grandeur. Donc, vous voyez. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que chaque vie, à partir d'aujourd'hui, ne regardez pas les circonstances qui
qui est autour de votre enfant ou de la manière dont vous élevez votre enfant. Mais cet enfant-là est une réponse pour notre planète. Amen. Il y a une raison pour votre existence. Et pour comprendre ces choses, depuis un moment, nous avons commencé cette série d'enseignements dans notre église qui se situe à Kasavubu, avenue Momboyo, numéro 9, direction Chaba et Gambela. Yeah. Donc nous réunissons chaque mardi et jeudi de 17h à 19h. Et là, nous donnons cette formation dans la profondeur. Nous expliquons aux gens comment découvrir leur mission, comment travailler par rapport à leur mission, comment éviter d'écourter sa mission sur la terre. Mmh. Nous expliquons beaucoup de choses. Donc, chaque mardi, de 17h à 19h, et jeudi, de 17h à 19h, avenue Momboyo, numéro 9, à Kasavubu, direction Chaba Gambela, la référence force publique. Et là, si vous venez, il se passe toujours quelque chose au centre de la vie des dieux. Il se passe toujours quelque chose. Notre numéro de contact, c'est 081, pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243, 81, 250, 30, 76. Plus 243, 81, 250, 30, 76. Au même moment, je voulais parler d'un programme que nous organisons une activité le 17 au 20 décembre. Ce sera l'inauguration officielle de notre église. Okay. Là, nous allons vraiment... On est invité. Vous êtes invité. C'est faire connaître à l'église Corps du Christ, à notre pays, la RDC. Dans ces 17 au 20, nous parlerons d'un sujet formidable. Okay. La bénédiction d'Abraham. Nous voulons parler de la bénédiction. Beaucoup de gens ignorent la bénédiction. Vous savez, tonton Jaco, dans l'Ancien Testament, Dieu, il n'y a pas de texte où Dieu parle du ciel. Dieu ne nous a pas vraiment, vraiment promis du ciel. Le ciel, c'est dans la Nouvelle Alliance. Mais quand les gens craignaient Dieu dans l'Ancienne Alliance, c'était pour conserver la bénédiction. C'est pour cela, dans Deutéronome 28, 1, la Bible dit, « Si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui viendront sur toi. » Donc, la crainte de Dieu, on ne peut pas les dissocier avec la bénédiction de Dieu. Nous allons parler de la différence entre la bénédiction et entre la les matériels, la richesse. La bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction peut produire la richesse. Et la bénédiction, c'est la seule chose, la première des choses que Dieu a dit à l'homme lorsqu'il avait créé. Genèse 1, Dieu a créé l'homme et la Bible dit Dieu le bénit. Dieu a entendu le mot bénédiction, l'homme a entendu plutôt le mot bénédiction quand Dieu l'avait créé. Donc le 17 au 20 décembre, venez nombreux et Dieu va vous visiter. Amen. Comme le dit souvent notre patron, la bénédiction, d'ailleurs le pasteur l'a dit, la bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Bénédiction, c'est autre chose. Il ne faut pas limiter Dieu parce que vous avez une voiture aujourd'hui. Ah, je suis béni. Non, non. Bénédictere, dire du bien. Bien. Bonne parole. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, merci, on va dire du bien. Merci à vous. Merci à la chorale. Merci également à notre invité, le pasteur Toto. Un clin d'œil comme ça au couple Mabanza qui nous regarde depuis la France. Ah, ils ont fêté leur anniversaire. C'était 17 ans de mariage. 17 ans de mariage. Oh, félicitations à vous, papa Philippe et maman Hortense Mabanza, sans oublier également les enfants. Merci, tonton. Merci, maman Dorcas. Merci à la grande équipe. Alors, nous vous fixons rendez-vous déjà la semaine prochaine avec un autre invité. On va dire du bien. Hein. Que le Dieu d'Israël, que notre Dieu, que le Créateur des cieux et de la terre vous bénisse. Voilà, là tu les as bénis. Tu as dit du bien. Voilà, j'ai dit du bien. Une courte prière, pasteur, on va s'élever, on va clôturer par une courte prière et puis un chant. Parce que la santé dérange, mais j'ai envie de danser. Ok, pasteur, pour la prière. Nous prions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour Biwan, merci Seigneur pour l'ambassadeur Mutamba, merci pour tous ceux qui travaillent ici, nous le bénissons. Nous bénissons cette émission, ta grandeur, qui touche des vies, qui transforme des vies. Au nom de Jésus, nous prions pour quelqu'un qui nous a suivis, donne-lui la raison de son existence, qu'il arrive à comprendre pourquoi tu l'as placé sur cette planète et qu'il soit une réponse pour notre monde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Thank you.
Lisanga, Lisanga.